le premier vaccin qui est le BCG. Je suis venue pour le premier vaccin, le vaccin BCG. Je suis venue faire le premier vaccin. Le BCG en question était en rupture là où j'ai accouché. Ils nous ont demandé d'aller voir ailleurs si on peut le faire. C'est la raison pour laquelle je suis venue ici au centre de vaccination de Kembo. Je suis venue faire le vaccin à l'enfant. À présent que j'ai fini de vacciner mon enfant, je suis satisfaite et j'attends la prochaine visite qui aura lieu dans 2 semaines et 3 jours. Depuis le 1er juin, nous avons connu pendant quelques jours, environ 5 jours, une petite rupture du vaccin BCG, donc qui est administré au nouveau-né à la naissance. Donc lié essentiellement à un retard de livraison de la part des fournisseurs. Donc aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, le niveau central, donc le programme a été approvisionné et nous avons pu approvisionner les structures. Donc ce vaccin est disponible dans toutes nos structures PEV et les nouveaux-nés sont vaccinés, comme vous avez pu le constater ici, au niveau du centre de vaccination de l'hôpital de Kembo. Donc la vaccination contre le BCG est là, elle est effective dans tous nos centres de vaccination. Donc pendant ces petits jours de rupture, nous avons pu contacter les mamans qui ont pu rater à la naissance. Donc ces enfants vont être rattrapés dans leur calendrier vaccinal. Donc j'invite également toutes les populations, non seulement les nouveau-nés, mais tous les enfants qui doivent être vaccinés. J'invite les mamans à revenir dans les centres de vaccination pour voir rattraper ou continuer le calendrier vaccinal des enfants. On invite également les femmes enceintes qui doivent être vaccinées contre le tétanos à se faire vacciner dans les différents PMI, les SMI, les centres de santé, les CHU. Et même les hôpitaux militaires, nous avons également quelques structures privées dont la vaccination est disponible et gratuite. Parce qu'il faut rappeler que la vaccination pour les enfants et les femmes enceintes est offerte par le gouvernement. Il faut dire que la santé de la mère et de l'enfant est vraiment une priorité du ministère, non seulement du ministère de la Santé, mais également du gouvernement. Pour qu'on évite tout ce qui est évitable par la vaccination pour nos populations vulnérables, donc les femmes enceintes et nos petits-enfants. Cette vaccination est gratuite. Vous savez, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, achète chaque année des vaccins pour les enfants de moins d'un an et les femmes enceintes. Maintenant, cette vaccination, elle est offerte, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de toutes les structures sanitaires publiques, également dans quelques structures sanitaires privées. Donc les structures publiques, nous avons les publics civils et nous avons les publics militaires. Cette vaccination est gratuite. Lorsqu'on a raté un enfant et que cet enfant a plus d'un an, cet enfant doit pouvoir être rattrapé gratuitement. Les consignes et les directives sont données à nos équipes de vaccination sur l'ensemble du pays de pouvoir vacciner ses enfants. Ces vaccins sont offerts par l'État et ne doivent en aucun cas être payants. Lorsqu'un enfant a plus d'un an et qu'il a raté sa vaccination contre la rougeole, sa vaccination contre la fièvre jaune, lorsqu'il doit être rattrapé, sa vaccination est également gratuite.